ce premier album chez Erato, j'ai voulu présenter la guitare sous sa forme la plus rayonnante, la guitare latine, la guitare espagnole et sud-américaine. Et surtout, c'est un répertoire qui fait partie de ma vie, qui représente mes voyages, mes racines. C'est un répertoire qui m'a fait aimer la guitare, qui m'a fait apprécier l'instrument et j'ai voulu partager ça avec le public. J'avais envie de présenter la guitare sous plusieurs facettes, avec ce côté populaire, le tango d'Astor Piazzolla, et aussi les 7 chansons populaires de De Falla, une musique qui vient du cœur vraiment, et un côté plus classique, plus intimiste, plus élégant, avec Isaac Albéniz, Asturias et aussi Sevilla. Cet enregistrement à Beauvais, à la Maladrerie, était assez exceptionnel en fait. Avec Hugues Deschaux en tant que directeur artistique et preneur de son, qui était incroyable, vraiment d'une pertinence absolue et d'une bienveillance. J'ai adoré travailler avec lui et aussi avec Edgar Moreau, avec qui on s'est découvert. Finalement, on n'avait jamais joué ensemble avant, c'était la première fois. Et je sais pas, c'était spontané, c'était comme si deux amis se découvraient un petit peu. C'était des conditions idéales pour un premier enregistrement chez Erato.